Jason, au galop! Suis Johnny! Notre Jumper est loin d'être prêt à accepter les cavaliers. Jumper, regarde comment il faut faire. Comme tu vois, c'est ici que nous faisons du saut d'obstacle. Là-bas, c'est l'enclos où les chevaux se reposent. Hé, papa, regarde ça. Ça suffit, Anna. Nous avons déjà discuté de Jumper. Il n'est pas assez docile. Si on le garde dans notre club, il ne gagnera jamais. Mais on a déjà fait pas mal de progrès, tu sais. Il a fait quelques vrais sauts. Ce n'est pas le moment de me faire faux bond. On prend de l'élan et on y va. Plus vite, Jumper. Mais tu peux aussi simplement aller faire une balade dans les prairies. C'est comme ça. On va lui montrer. Tu peux le faire. Saute aussi haut et aussi loin que possible. En avant. Ne fais pas tomber toutes les barres. Ça va? Tu n'as rien? Non, non, tout va bien. Anna, arrête, ça ne sert à rien. En plus, tu vas te blesser. Et il vaut mieux que Jumper ne se fasse pas mal, lui non plus, parce que demain, il s'en va. J'ai enfin trouvé un acheteur. Non, tu ne peux pas faire ça. Il franchira tous les obstacles d'ici au tournoi d'été. Laisse-moi encore quelques jours, je t'en prie. Je vois bien que tu te donnes beaucoup de peine, Anna, et je suis fier de toi. Tu tiens cette volonté de moi. Mais sois réaliste, ma chérie, tu n'y arriveras jamais. Ce cheval est impossible à dresser. Oh, papa, accorde-lui encore une journée. Nous allons tous l'aider pour qu'il y arrive. Enfants, c'est trop tard. Demain, un acheteur vient le chercher. Pas question. Je t'interdis de faire ça. Tu ne peux pas simplement le vendre. Je n'ai plus envie de perdre mon énergie sur ce cheval. Ça suffit, lâchez-le maintenant. Comme vous voudrez. Vous n'avez qu'à l'emmener au box et le brosser vous-même. Mais demain, il s'en va. Tu es mon ami. Je ne t'abandonnerai pas. Tu sais très bien sauter. Il faut seulement que tu le fasses au bon moment. Alors essaie encore, Sorette. Tu vas y arriver. N'arrive pas, qu'il pourra. Laisse-moi essayer. Une chose est sûre, ce cheval n'est pas pour moi. Les amis, essayez de le distraire. Regarde un peu ce que j'ai pour toi. Hop, 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 et... Maintenant, c'est à moi. Non, Paula, tu ne sais même pas encore monter. Sois bien sage, mon beau. Bon, voilà, tu assises dessus. Tu es contente? Maintenant, redescends. S'il te plaît. Waouh, Paula, elle est douée, non? J'aimerais bien essayer de lui faire franchir quelques obstacles. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu ne sais pas monter à cheval. Il faut s'entraîner dur pendant des années, comme moi. Et il faut aussi être un peu doué. Les enfants, pourquoi Paula est sur Jumper? Il n'est pas apprivoisé. Ça peut être très dangereux pour elle. Elle n'a pas encore commencé ses leçons. Tu vois, descends maintenant. Anna, maintenant, va le brosser et fais-lui tes adieux. Allez, il est temps. Tu rends les choses encore plus compliquées, toi. C'était quoi, ça? Allons jeter un coup d'œil. Allez, dépêchez-vous. Et allez-y doucement avec les fusils hypodermiques. C'est vous que j'endormirai à coups de fléchette. Queen, j'aurais dû m'en douter. Pourquoi t'aurais dû t'en douter? C'est qui, ce Queen? Comment tu le connais et qu'est-ce qu'il fait ici? S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que vous n'étiez pas de très bons amis autrefois, Queen et toi, Nick? Je me trompe? Oh non, nous avons vécu bien des aventures ensemble. Mais tout ce qui intéresse Queen, c'est la gloire et l'argent. Il se moque éperdument de l'archéologie. Alors, qu'est-il venu faire sur cette île? Lors de notre dernière rencontre, j'ai commis l'erreur de lui parler du Capitaine Fou. Quoi? C'est pas vrai! Je m'en veux terriblement de l'avoir fait. Je lui ai dit tout ce que je savais sur cette île. Wow! Vous avez entendu ce bruit? Ouais, qu'est-ce que c'est? Une explosion? Chut! Tu crois que ce sont les hommes de Queen? On dirait plutôt des animaux. Des animaux énormes qui... Oh, boss. Will?
France. La corde. Oui. Attrape la corde, oui. Accroche-toi bien. Oh, ça, je l'ai échappé, Belle. C'est inimaginable. Regardez, ils s'en vont. On dirait que quelque chose les attire. Ils sont comme hypnotisés. Je dois absolument prendre une photo. Il pense sans doute que ça lui fera un joli souvenir de l'île. Tu veux rire? Et qu'est-ce qu'il compte en faire? Pas la moindre idée. Il doit pourtant bien avoir un plan. Il veut peut-être créer un parc à thème, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut protéger ces pauvres bêtes. Et si on commençait par rendre une petite visite à ce cher Queen? Allez, lui! C'est vrai, on peut dire qu'on a fait une belle prise. Oh, 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 oh. Regarde-le, il a l'air déjà. Ok, faites diversion, vous deux. Moi, je me charge d'ouvrir cette cage. Et comment? Tu crois peut-être que Queen va te donner la clé? Je n'ai pas besoin de la clé. J'en ai déjà une. Ah, excellent. Là, tu m'arrêtes. Doucement, gentil petit chien. Samy, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais aller voir. Ok, moi je surveille le feu. Jolie manœuvre de diversion. On se sépare. Arrêtez! On ne bouge plus! Samy, rattrapez! Allez! Du calme. Je veux juste délivrer ce pauvre dino. Tu seras bientôt libre. Allez, tu peux tout faire, oui! Du calme, le chien. Toi aussi. Essaye vivement de rester calme, mon cher Nick. Ôte tes mains de cette cage et retourne-toi lentement. Écoute, Queen. Tu ne peux pas faire ça, tu le sais. Cette île est un écosystème unique au monde. Tu ne peux pas la piller comme ça à ta guise. Ah ouais, et je peux savoir qui va m'en empêcher? Toi? Oui, et aussi peut-être... lui. Oh, et lui aussi. Qu'est-ce que... J'ai dit revenez! Oh, qui commande ici? Revenez pour notre couillard! Vous vous débrouillerez très bien tout seul, chef! Vous me paierez ça! Vidéo 135 de mon blog. On est en direct de la mission Mars. Je n'ai plus rien publié depuis quelques jours, mais là, je prends le temps de vous présenter les membres de l'équipage. Allons les rencontrer. Commençons par le grand chef. Voici Monsieur Denford. Salut, Alvin. Tout est sous contrôle. On attend la fusée avec les provisions. Et Alvin, c'est commandant Denford pour toi. Je n'ai pas passé 7 ans à l'école des commandants pour qu'on m'appelle monsieur. Désolé, Monsieur Denford. Commandant Denford. Et derrière moi, c'est Lizzie Crawford. Salut, Lizzie. Dis-nous, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Mars? Oh! On cherche des cristaux d'eau, parce qu'on a besoin d'eau si on veut coloniser Mars. Alvin, est-ce que tu voudrais m'aider à analyser ces échantillons de terre? Il nous reste encore à faire le test de dégustation. Ça, c'est dégueulasse. Ilana, pilote de chasse, ingénieur, experte en armes. J'ai oublié quelque chose? Oui, tu as oublié quelque chose. Je n'aime pas être filmée. Et si tu ne t'aimes pas ce truc sur le champ, je te jure que... Ce signal signifie que la fusée de provision va décoller. Et le pilote, c'est mon plus grand héros, Derek Mitchell. Allez, me tire dessus. Ah, flic, c'est qui a inventé ce jeu? Salut la fine équipe. Vous êtes prêts à m'accueillir? Cool. Derek Mitchell aime bien mon jeu. Et je vais le rencontrer bientôt. Préparez le café, j'arrive à temps pour les crêpes. 1, décollage. La
l'ascenseur spatial, Mitchell. On passe la main à RUEC2 pour l'amarrage. Bien reçu, commandant. Allez, à toi de jouer, bonhomme. Tu connais la chanson? Réveille-moi quand il sera temps de danser le tango. Monsieur, petite question. Est-ce normal que la fusée de provisions tourne dans tous les sens? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'approche trop vite! Ah! Accrochez-vous! Système de stabilisation activé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien ne répond! Oh non! Il faut faire quelque chose! Il faut aller secourir Mitchell! Je m'en fiche si c'est trop risqué. Je sais que si nous croyons en nous, si nous travaillons en équipe, et si nous trouvons notre vraie force intérieure, il n'y a rien, rien qui puisse... Quoi? On est déjà en route pour le secourir. Zone d'atterrissage confirmée. Atterrissage dans 17 minutes. Je voulais juste... En fait, je voulais juste dire... Préparez-vous à entrer dans l'atmosphère. Ouais, je... Non, mais je le savais, hein! C'était un sacré tour, ça, dis donc. Mais j'ai connu pire. On peut dire qu'on a bien foiré, là, bonhomme. Mais s'il y a bien une chose dont une fusée de provisions dispose, c'est des provisions. Oh, zut. Comment je vais pouvoir trouver quelque chose à boire ici? Selon mes calculs, une pluie de météorites s'abattra sur nous dans 2 heures. Si tout fonctionne comme prévu, il ne nous faudra pas plus de 30 minutes. Comme pendant l'entraînement. N'oublie pas ta fichue caméra, Alvin. Oups. Salut, c'est encore moi, Alvin Goodman. On est actuellement à 3 km à l'est de la zone d'atterrissage. Et comme vous pouvez y voir, je suis en compagnie d'Ilana. Et quand elle conduit, il faut pas l'énerver. Ah, on a calculé l'emplacement du lieu de l'accident de Mitchell. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, Ilana? Va voir ailleurs si j'y suis. Oui, bon, d'accord, mais je risquerais de me perdre, tu vois. Hors de mon chemin! Non, c'est plutôt hors du chemin! Alvin! Ah! Oh! 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 Oh!